petite pause. What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de rien, mais de quelque chose d'assez important, puisque même si tu ne regardes plus mes vidéos, eh bien, ça va quand même te toucher, parce que normalement, tu vas systématiquement sur Internet. Hein. Et Internet aussi dit business, parce qu'en quelque sorte, il y en a qui se font un max d'argent. Je parle pas de YouTubeurs là, hein. Je vous parle vraiment, par exemple, des campagnes publicitaires, que ce soit avec Google, ou que ce soit avec d'autres filières, d'autres sites Internet, où on peut voir vraiment, mais vraiment beaucoup de publicité sur Internet. Et il y a des intelligents et tout qui utilisent par exemple Adblock, comme moi d'ailleurs. Pourtant, normalement, les YouTubeurs n'utilisent pas ce genre de choses parce que on n'est pas payé après parce qu'il n'y a pas de publicité. En fait, c'est une extension, par exemple moi qui est raccordé à Google Chrome, je pense que vous connaissez Adblock, ça permet en fait d'enlever les publicités. Si vous ne l'avez pas, je vous la conseille en quelque sorte, oui. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une nouvelle forme de publicité. Je pense que vous avez dû voir peut-être McDonald's, qui ont sorti une sorte de publicité avec des sortes de petites émoticônes en fait, des petits smileys et tout. Je sais pas si vous l'avez vu, en fait, c'est des bonhommes, sauf qu'ils ont une tête de smiley. Et en fait, ça, c'est le lancement d'une sorte de campagne publicitaire en quelque sorte, avec l'aide par exemple de smiley. Et je vais juste vous lire un petit truc assez intéressant pour vous, comme ça vous allez comprendre qui va voir maintenant des nouvelles publicités sur Internet, mais d'une autre façon que par des sortes de ads de publicité, soit rectangulaires, soit de forme carrée, qui se mettent sur le côté. Mais vu que maintenant il y a des extensions telles que Adblock qui enlèvent ces publicités là, eh bien il faut qu'ils trouvent des nouvelles solutions. Genre, je vais vous lire tout ça, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt intéressant parce que la pub classique sur Internet donc ne fonctionne plus auprès des jeunes et ils préfèrent bloquer à l'aide d'outils. Donc c'est ce que je vous parle en fait avec Adblock. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais sauter quelques lignes parce que là c'est pas du tout intéressant, mais les annonceurs se sont rendus compte qu'en fait que les émoticônes, aussi appelés emoji, se présentent en fait partout et qu'ils pourraient les utiliser pour s'incruster discrètement dans les conversations des internautes. La spécialiste, excusez-moi, en contenu digitaux, Marie Dolé, expliquait en fait que les marques se sont rendues compte que cet usage se généralisait et ont noté en parallèle une migration des utilisateurs vers les réseaux fermés où il était très difficile de les atteindre. Par exemple, une conversation instantanée sur Facebook, sur Skype ou d'autres endroits où c'est un peu difficile de mettre de la publicité, par exemple dans une conversation Facebook. Imaginez, tu parles avec ta copine ou autre, tu dis je t'aime et tout d'un coup t'as une publicité de Nuggets. Ça va être très difficile. Et ce qu'a pensé par exemple McDonald's et ce que va penser aussi d'autres grosses entreprises, c'est en fait de faire incruster ces sortes de publicités à l'aide d'émoticônes dans une campagne publicitaire qu'on a pu voir aussi. Et bien de la part de McDo, le groupe va encore plus loin en créant une application qui permet d'ajouter dans les conversations par WhatsApp, Facebook, Messenger ou encore dans les SMS des émoticônes représentant des nuggets, de poulet, un hamburger ou une crème glacée avec la petite dédicace de McDonald's. C'est pas cool ça? C'est pas cool. Ce que je veux vous dire, c'est c'est quoi qu'il en soit, il y aura un peu de publicité partout et ça commence à augmenter. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, si c'est positif ou pas. Celui qui dit que c'est positif, c'est qu'il aime les nuggets et que forcément voir un icône de nuggets, ça va le plaire. Et si tu réfléchis bien, c'est pas si top que ça. Ouais. Peace out.